I was pissed at you. Now here's what I'm gonna do. I know a debt to love has been paid. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Bonjour à tous. Les Lions d'Atlas s'apprêtent à jouer leur premier match de cette CAN 2019 ici au Caire, au stade El Selem, à 15h30 heure du Maroc face à la Namibie. À cette occasion, la presse égyptienne donne la part belle aux hommes d'Hervé Renard. Al-Watan met Hakim Ziyech en une avec ce message. Le groupe de la mort commence la lutte aujourd'hui. Al-Masraliya en titre avec « Les Lions d'Atlas veulent faire comme en 2008 ». Souvenons-nous, ils avaient vaincu la Namibie par 5-1 en phase de groupe. Al-Jomhouri a écrit que les Lions s'apprêtent à dévorer la Namibie, alors que Al-Ahram titre « Les Lions rugissent devant la Namibie ». Attention, aujourd'hui, il fera environ 37 degrés à 16h30 ici au Caire, donc à l'heure du coup d'envoi de la rencontre. La CAF a d'ailleurs instauré des pauses fraîcheurs pour les joueurs. Ces derniers vivent des conditions climatiques particulièrement difficiles. En ce qui concerne la composition probable d'Hervé Renard, Mounir Mohamedi devrait retrouver sa place dans les cages. Devant lui, la charnière Ben Atia Seis, à droite Nabil Dirar, à gauche Achraf Hakimi, devant eux Karim El-Ahmadi et Mbark Boussoufa. Faisal Fajr devrait logiquement être préféré à Younes Belhenda qui s'est tordu la cheville il y a 3 jours. Hakim Ziyech est attendu pour animer l'attaque des Lions de l'Atlas. À ses côtés, Soufiane Boufel, et devant Youssouf Nseri pourrait être préféré à Khalid Boutaïb.